Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo. Et ensuite, alors, vous avez les consultations avec Zoé ou avec moi. Vous avez le live du mardi soir, 9h, 10h30. Vous avez également de jolis petits posts sur Instagram. Ensuite, si vous voulez soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux de notre part, vous appuyez sur le bouton « Rejoindre ». Et pour terminer, si vous voulez tester votre compatibilité avec votre chéri ou avec n'importe qui, vous allez sur 12.love/astro. Scorpion et ascendant Scorpion, dans cet horoscope du mois de mars, je pense que le début du mois, enfin les trois premières semaines même, vont vous être très agréables. Alors c'est vrai que vous avez vécu des choses difficiles, hein, j'en suis sûre, vu les aspects que vous avez eus en janvier, février, bon bref, c'était pas du tout facile. Mais voilà, Vénus est de la partie tout le mois, c'est-à-dire qu'elle est accolée au soleil, en poisson d'abord, et puis en bélier ensuite. Donc forcément, il y a de la détente, il y a du plaisir, il y a de l'amour même peut-être pour certains. En tout cas, en ce qui concerne le soleil qui gère vos objectifs, avec Vénus à côté, qui est très forte en poisson en plus, eh bien vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Et assez facilement. Alors, quels sont ces objectifs? Probablement de pouvoir reprendre votre travail, être de nouveau en confiance en vous disant ça va continuer comme ça, je ne vais pas être obligée de m'arrêter de nouveau à tel moment. Il y aura un sentiment de confiance et de... peut-être pas de sécurité, mais en tout cas, vous saurez où vous mettez les pieds, voilà. Puis, avec le soleil en bélier, eh bien, vous allez bosser, hein, vous allez vraiment beaucoup travailler, et ça va vous rapporter, puisque Vénus sera à côté du soleil, hein, et Vénus peut représenter votre argent, donc hein, beaucoup de boulot, beaucoup d'argent à côté. En ce qui concerne Mercure, eh bien Mercure, elle va faire deux signes, mais elle est un petit peu en retard, donc elle est d'abord en Verseau, conjointe à Jupiter en début de mois, elle est dans votre secteur 4. Hein, donc on a vu depuis plusieurs mois que Jupiter occupait votre secteur de la famille et qui possiblement il y a eu ou des problèmes quasiment juridiques, hein, légaux en famille ou concernant la maison qui est aussi le domaine de la 4 et donc du Verseau. Avec ce Mercure plus donc le soleil en poisson, vous voyez, conjoint à Vénus, il est possible que les choses s'arrangent, hein, que peut-être vous ayez des discussions en famille qui vont permettront de faire des mises au point. Et ce sera de toute façon une évolution favorable puisque après le 15, Mercure va être en poisson, donc très bien disposé par rapport à votre signe, le scorpion, et que là, vos paroles seront entendues et qu'on vous croira que elles auront vraiment du sens pour ceux qui vous entourent. Et bon, on vous complimentera, hein, très certainement, on vous dira « tu as bien fait de dire ceci, de dire cela » ou de prendre cette direction. Là, c'est sûr que Mercure va vous aider à retrouver quand même le sens de votre valeur à vous redonner à vous-même de la valeur. Vénus, maintenant, conjointe au Soleil, on l'a vu, donc une très bonne période, hein, qui va aller jusqu'au 21 tout de même, une période où tout sera plus ou moins agréable quand même. Hein, tout ce que vous ferez, hein, tout ce que vous entreprendrez,
que ce soit un voyage, s'il est possible de voyager, ou d'étendre vos activités, d'étendre votre périmètre d'action, tout ça sera vraiment favorisé, hein. Donc, du côté de vos amours, ça va être pareil. C'est-à-dire que vous allez être plus en confiance que d'habitude et disons que ce n'est pas toujours facile pour le scorpion d'être en confiance, hein. On le sait, vous avez toujours peur d'être trahi, mais là, bon, il ne sera pas du tout question de trahison, au contraire. À partir du 21, Vénus sera en bélier. Donc, bon, c'est votre secteur du travail, donc ce ne sera pas forcément l'amour fou, l'amour passion, comme vous l'aimez. Mais bon, peut-être si c'est quelqu'un de votre boulot, c'est possible que vous ayez des sentiments un peu intenses, hein, mais je ne suis pas sûre que ce sera quelque chose de réel, hein, ça peut être très très virtuel. Maintenant, le secteur 6 où va se trouver Vénus, c'est aussi un secteur de santé, donc c'est possible que vous retrouviez la forme si vous ne l'aviez plus, par exemple, hein. Il y a quelque chose, peut-être un traitement ou des vitamines que vous allez prendre et hop, vous allez repartir vraiment, hein. Ça va être un redémarrage sur les chapeaux de roue. On en vient à Mars, votre planète, hein. Mars va se trouver quasiment tout le mois en Gémeaux, hein. C'est votre secteur d'argent, alors voilà. Va falloir vous battre, hein, pour récupérer de l'argent qu'on vous doit, que ce soit un dédommagement, une donation, un petit héritage, une prime, quoi que ce soit, il va falloir, hein, vous démener pour récupérer. Alors vous aurez plusieurs solutions, hein, étant donné que Mars est dans un signe double, vous avez plusieurs façons d'agir. Je vous conseille, et vu le reste de la conjoncture, la manière douce, hein, parce que Vénus et le Soleil engagent à être dans, vous voyez, dans quelque chose qui, où il n'y a pas d'agressivité. Donc, bon, si vous avez de l'argent à récupérer, comme je le pense, trouvez le moyen, disons, de donner l'impression à l'autre que c'est lui qui a décidé, que, vous voyez, ne donnez pas l'impression que vous exigez, voilà. Maintenant, Mars en Gémeaux peut aussi avoir un effet booster sur votre libido. Alors, je sais qu'elle n'a pas besoin d'être boostée la plupart du temps, mais bon, là, peut-être qu'elle va être encore plus... hein, active et que bon, vous aurez besoin de des besoins dans ce domaine. Alors évidemment, si vous êtes seul, ça va être compliqué. Donc vous irez à la recherche. Hein. Mars en Gémeaux peut vous aider à chercher et à trouver quelqu'un avec qui vous pourrez vivre ces moments un petit peu intenses sur le plan sensuel. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Et si vous voulez plus d'horoscopes, comme d'habitude, vous allez sur le 3210 ou sur le Figaro TV Magazine.